Par votre présence, ici même, aujourd'hui, et aussi nombreux, vous montrez que les Corses aspirent à une société de droit, de liberté et de transparence. Più che mai, insem, aveream ragion l'ispira. A ringraziarvi tous, toutes, merci à tous. Devant une foule compacte, Marie-Paul Mandoloni Thomas y remercie ses soutiens. Ils étaient un peu plus de 300 cet après-midi, massés devant les locaux de l'intercommunalité du Sartenay-Vallier. Ça suffit, ahwa basta. Nous voulons que la Corse se développe. Nous ne voulons pas que les Corses se déchirent entre eux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors je pense que tout le monde doit en prendre conscience et qu'aujourd'hui, il faut demander aux gens de réfléchir et de descendre très nombreux dans la rue. Il est un peu plus de 19h jeudi soir lorsque les pompiers sont alertés. Un hangar agricole avec 3000 ballots de foin à l'intérieur est retrouvé calciné sur la commune d'Ulmeedo. Il appartient aux parents de Marie-Paul Mandoloni Tomasi. Mais alors son appartenance au parti Femua Gorsiga ou au collectif Valinculindo est-il à mettre en lien avec l'incendie? Le collectif, mobilisé ces derniers jours contre le projet Vijanelu 2, s'interroge. On ne peut incriminer personne. C'est pas à nous de mener cette enquête-là. Maintenant, il est évident que la concomitance des faits entre cet incendie et l'action de Marie-Paul au sein du collectif, c'est une possibilité qui pourrait s'envisager. Pour l'heure, les enquêteurs ne font eux aucun lien entre ces faits, d'autant plus que la famille Mondoloni Thomas y a déjà été visée par des tags menaçants par le passé. Dans le même temps, ce genre d'événement se multiplie depuis plusieurs mois. C'est déjà la 6e enquête ouverte pour incendie sur une exploitation agricole depuis le début de l'année.